Comme j'avais introduit tout à l'heure, le professeur Donatien Kanach avait déjà parlé, avait déjà tout dit. Donc, on va passer à la phase pratique, à la connaissance des outils, pour que vous ayez au moins la base pour vérifier des images et des vidéos. Comme il a dit, les vidéos, c'est plus complexe en fait. C'est plus complexe. Quand vous n'êtes pas journaliste, patricien, c'est plus complexe. Parce que par moment, et vous n'arrivez pas à trouver des résultats sur le champ. Donc, il faut pousser. Vous êtes fait un article de fact-checking, souvent, ça se prend un mois, une semaine, un mois, pour juste sortir un seul article de fact-checking. Donc, vous dites que ce n'est pas quelque chose d'aisé. Mais ici, le but de cette formation, c'est de vous donner des outils de base. Des outils de base qui vont vous permettre de procéder à la vérification d'une image. Tac, 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 bien, test, tranquille. Voilà. Donc, pour commencer, comme j'ai dit, tout ce qui est ici, c'est la même chose qu'a dit le procès de l'ancien Kanga. On va rentrer dans le vif du sujet. Ok. Le premier outil que je peux vous conseiller, c'est l'outil Google Images. C'est-à-dire Google Images vous permet de procéder à la vérification d'une image, mais par la technique de l'image inversée. Comment ça marche? Pour faire ça, on va sur Google. Je crois que tout le monde voit mon écran. Je crois que tout le monde voit mon écran. Ok. On va sur Google. On tape Google Images. Maintenant, quand la barre s'affiche ici, vous voyez, on voit ici l'appareil photo qui est là. Voilà. Sur l'appareil photo, lorsqu'on clique sur l'appareil photo, on a deux onglets. On a l'URL et puis l'image en question. Donc, ça dépend. Souvent, vous avez des images sur Facebook qui vous paraissent un peu bizarres. Voilà, qui vous paraissent un peu bizarres. Vous sentez que cette image est manipulée, cette image est fausse, mais vous n'avez pas la certitude de ce que vous dites. Donc, vous pouvez procéder. Vous pouvez prendre le lien de l'application en question, venir mettre ce lien ici, puis procéder à la vérification ou bien uploader l'image. Mais dans notre cas, on va procéder par image, la vérification par image. C'est-à-dire, on va uploader l'image pour procéder à la vérification. Donc, ici, je vais montrer, d'abord, je vais montrer l'image qu'on pourrait vérifier. Par exemple, soit si tout le monde a vu cette vidéo. Tout le monde a vu cette vidéo sur WhatsApp, Facebook et tout. On nous disait pas que c'était au Mali et la scène s'est déroulée. Personne n'a déjà vu cette vidéo? Mais déjà, le drapeau qui est sur la vidéo doit être déployé en fait. Donc les personnes qui ont posté cette vidéo ont fait croire que la scène s'était passée au Mali. Alors que c'était faux en fait. Ici, on peut procéder à la vérification de cette image ou cette vidéo. Parce que ce qu'on doit savoir, c'est qu'une vidéo est composée de plusieurs images. Donc, quand on fait la vérification des vidéos, l'outil qu'on utilise permet de scinder la vidéo en plusieurs images. Donc, on procède par vérification image par image par. C'est-à-dire, comme on disait, on procède la vérification angle par angle en fait. Il y a un angle qui peut vous donner un résultat et un angle qui peut ne pas vous donner un résultat. Donc, on va essayer. Par exemple, on prend cette image. Ce que vous voyez. Quand vous voyez ce qui est ici, l'image ici. Vous voyez? Quelqu'un voit ce qui est ici sur le dashboard, pardon. Bon, c'est écrit Alassane out. Non. En fait, c'est une image qui circulait pendant les élections présidentielles en octobre 2020, qui faisait croire qu'en en fait, il y avait une manifestation aux États-Unis qui luttait contre le troisième mandat du président actuel. Donc, l'image a circulé sur les WhatsApp, Facebook. On disait, ah ouais, vous voyez, même aux États-Unis, on manifeste la part pour dire que. Ils sont contre le troisième mandat du président actuel. Alors qu'en fait, ce qui est écrit sur l'image,
ça avait été manipulé. C'est-à-dire quelqu'un s'est assis, il a pris la photo, il a pris le Photoshop, tac, 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 paf, il a mis dessus, il a publié. Donc on va essayer de trouver l'origine en fait de la vidéo, de l'image, et ce qui avait été écrit initialement sur le cache-nez. Ici c'est écrit à la sonde out now. Maintenant, il y a une chose qu'on doit retenir lorsqu'on fait la vérification des images, c'est que lorsque vous utilisez un outil, ce n'est pas plus évident que vous ayez le résultat que vous voulez avec un outil. C'est pourquoi il y a plusieurs outils disponibles sur Internet qui peuvent vous permettre de trouver ces images-là. Mais nous, on va poster étape par étape. Voilà. On va d'abord commencer avec une bonne image, comme je vous l'avais dit. Donc ici, comme je l'ai dit, on vient, on upload l'image, je viens, je télécharge l'image, et puis je lance la recherche. On attend. Ça c'est la connexion. Parce que forcément, on travaille toujours avec la connexion pour essayer de résoudre cette image. Donc, quand on lance la recherche, on a plusieurs résultats. Ici, comme on avait dit qu'on pensait tout à l'heure, ça ce sont les images similaires. Quand on parle d'images similaires, c'est un peu les images qui se ressemblent un peu, mais qui ne sont pas les mêmes. Elles sont les images similaires. Lorsqu'on descend, on voit déjà, moi j'avais déjà fait le parcours en fait de l'image. Donc, les deux résultats que j'ai pris ici sont vraiment mes articles en fait. Donc, mais là, on ne trouve pas de. Tant qu'on ne trouve pas l'article pour lire, en fait, on ne pourra pas trouver l'image, l'origine de l'image. Donc, on se dit ici, Google est limité dans sa base de données, n'a pas les informations. En plus de quoi l'image, nous avons un autre outil qu'on appelle TINAI. TINAI qui est américain. Il y a aussi. En fait, TINAI, lui, sa particularité, c'est que. Il agit essentiellement sur les images qui ont subi des modifications via Photoshop et puis tous les outils, toutes les applications de montage que vous connaissez. Donc, il agit essentiellement, pas essentiellement, mais la plupart du temps, c'est sur les images qu'il agit. Alors, quand on regarde cette image, je vais le mettre encore. Quand on regarde cette image, on sent que l'image a subi une modification. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas à la chambre outcome qui est pris. La vraie image. On va procéder à la vérification. La manière de procéder est la même que sur Google Images comme sur TINAI. En bas, on a notre base de données ou bien on a le lien. Mais là, quand vous avez l'image dans la base de données, vous passez sur l'application pour uploader. Et puis, venez donner votre image, vous mettez. Et puis, juste dans la recherche. Ça va tourner. Pour essayer de retrouver l'origine de l'image. Pour l'image, vous voyez. Ici, c'est mis quoi? 3 mesures. Ça veut dire qu'on a trouvé un résultat qui peut nous parler de l'origine de l'image. Donc, on descend. Voici le résultat en question. Voici ça. Qui voit ce qui est écrit sur l'image? Vous ne voyez pas? Quelqu'un peut dire? Une personne peut nous dire ce qui est écrit sur l'image? Une personne? Trump, dans le temps, quand je faisais la recherche, on dit que la scène où c'était passé, soit en Angleterre, c'était lors d'une marche qu'on faisait, lorsque Trump dirait aux États-Unis, c'était une marche des Anglais contre la gouvernance de Trump aux États-Unis. Donc, une fois, en fait, ça n'avait rien à voir avec la Côte d'Ivoire ni à la Côte d'Ivoire. C'était juste une image d'une manifestation de Trump. Donc, quelqu'un l'a pris, il a juste manipulé. Donc, on récapitule. Vous avez votre image. Vous allez soit sur Google Images ou TINAI. Il y a aussi Yandex. Yandex, je vais vous montrer comment lui ça s'affiche. Il y a Yandex. Il y a aussi Bing.
il y a un texte qui s'affiche. Donc en fait, tous les outils que vous utilisez, si vous voulez procéder à la recherche de l'image, ça va vous donner un indice. L'indice, c'est quoi? L'appareil qui est là. Cet appareil, c'est ce qui vous permet de faire la recherche. Initialement, nous, en tant que particulier, quand on fait ça, c'est plus ou moins les trois outils qu'on utilise pour vous. C'est-à-dire Google Images, Sinai, Yandex. Il y a aussi Bing qui est là. Il y a aussi un autre outil. Il y a Beidou. Il y a Beidou qui est chinois. Il y a aussi un autre outil qui vous permet de faire ces recherches. Mais en même temps, je veux dire que si vous n'avez pas un peu la chose, c'est un peu contraignant. C'est un peu contraignant parce que souvent, tu essaies de faire la recherche, tu te calmes, ta tête tape autour, tu viens, tu réfléchis, tu cherches des techniques, pour essayer de le trouver. On va procéder à la une deuxième image encore. Il y a ça. Voilà. Quelqu'un, je ne sais pas si vous voyez ce qui est écrit dessus. Non, au troisième mandat. Voilà. Et vous voyez comment il est intelligent. Regardez ici. La fonte qui est ici, tu sais que ce n'est pas visible. Donc s'il met ce qu'il veut écrire dessus, on ne va pas enlever là-bas. Donc il vient écrit sur le carton qui est plus visible en fait. Donc là encore, vous avez la vérification, c'est le même process. On vient. Cette vérification. On va voir qui était réellement écrit sur le carton. Ici, on vient, on enveloppe l'image, on lance la recherche. On trouve encore un résultat pour cette image. On vient, on descend. Quelqu'un peut me dire ce qu'il y a dessus? Voilà. Maintenant la suprématie blanche. Voilà. Mais en fait, c'était dans la même ligne que la première image, cette manifestation. C'était dans la même ligne. Dans le temps, on utilisait la dans la même ligne que l'autre, la première image. Donc, vous pouvez comprendre comment les gens sont forts, comment les gens arrivent à manipuler en fait l'opinion publique sur certains faits. Et ils attendent, en fait, à tout moment quand il y a un événement, en fait, une crise, des élections et tout, pour essayer de manipuler en fait ces images. Donc en gros, les outils pour la vérification d'images, nous avons Google Images, Sinai, Yandex, Bing, Baidu. Donc en tout, on a 5 images. Est-ce que vous devez savoir, ces images se complètent. Et pardon, c'est ce qui se complète en fait. C'est où se complète. C'est-à-dire, quand vous faites la recherche sur, Google Images, vous n'avez pas trouvé de résultats, vous partez sur Snipe, pas de résultats, il y a un test, pas Beidou, Bing, etc. Mais si l'image est manipulée, sur ces 5 outils-là, vous allez trouver un résultat. Sauf si l'image n'a pas été manipulée. Maintenant, il y a des cas aussi qui se trouvent que quelqu'un a pris une photo qui n'est peut-être n'apparaît dans aucune base de données en fait. Mais il a pris la photo pour essayer de la manipuler. Là, on procède par indice. C'est-à-dire des petits indices qui se trouvent sur la vidéo. Peut-être le lieu qu'il a indiqué, dans sa publication, par exemple, il dit que la scène s'est passée devant Danny Store. Donc quand tu regardes Danny Store, tu essaies de voir. Si tu as des connaissances ou des contacts qui sont à Abidjan, tu peux t'aider à vérifier l'image. Là, c'est quand, dans le cas où on n'a pas de l'image dans la base de données des différents moteurs de recherche. Pour ça, on parlait aussi de géolocalisation. Ça, c'est plus complexe aussi. Je ne sais pas si peut-être il y a fait un exemple. Par exemple, vous avez vu une vidéo qui disait qu'il y a une Ougandaise qui s'était suicidée concernant tout n'importe à quoi. En fait, c'était faux. C'est même pas chose à Dubaï. Je crois que c'est la vidéo originale. Thank you.
Voilà. Je ne vais pas. Donc, vous pouvez partir des plus. Donc, je ne vais pas cette vidéo. Je crois que vous avez vu tout. Qui disait que c'était. Non, je m'en vais. Merci. Mystère, suicidé et tout. En fait, c'était faux. D'abord, la scène est passée à Dubaï. La scène n'est pas passée à Dubaï, c'était un. Et de deux, c'était même pas une Ougandaise. La scène s'est passée en Russie. La scène s'est passée en Russie. Et c'était une jeune fille de, je sais pas, 9 ans et tout qui voulait se suicider. Bon, on ne connaissait pas la raison parce que les recherches qu'on a eues avec les deux sur la vidéo, on ne l'a pas donné la raison. Mais on a dit c'est une jeune fille. Il s'est suicidé, mais c'était en Russie, c'était même pas à Dubaï en fait. C'était pas à Dubaï. Donc, nous, quand on a procédé à la vérification de l'image, moi par exemple, quand je faisais la recherche, je suis tombé sur une vidéo d'un autre angle en fait, de cette vidéo. C'est-à-dire, quand j'ai tout, quand on voit que je ne suis pas là, voilà. Ça, c'est un autre angle de la vidéo. C'est-à-dire quand je faisais la recherche, ouais, ce sont les mêmes bâtiments, les mêmes trucs. Donc je suis tombé sur un autre angle de la vidéo. Après, ce n'était pas suffisant pour nous de dire que ah non, c'est voilà pour d'autres outils encore. Donc là, on procède en fait par géolocalisation. La géolocalisation, c'est quoi? C'est d'aller sur Google Maps, vous mettez la rue ou bien la ville. Ça vous permet de vous promener en fait. C'est pas des images en temps réel, mais ça vous permet de vous promener dans la ville en question pour essayer de retrouver le point dont on parle en fait. Je vais vous montrer l'article et puis, parce que si on a avec la géolocalisation, ça va être un peu dur parce que ça va prendre du temps. Mais après on peut faire juste un petit exemple de comment circuler en fait dans un lieu lorsqu'on veut. Peut-être répéter l'endroit exact où j'ai parlé. Donc, voilà. Par exemple, voici l'article que j'ai fait sur la grande question. Donc, vous voyez, quand je viens ici, j'ai procédé à une géolocalisation qui m'a fait envoyer dans la rue en question. Ici, en fait, l'image n'est pas trop claire. Mais dans l'image, on peut voir la même peinture et même le nombre de fenêtres qui étaient sur le truc. Avec uniquement la rue. La rue. Donc, attendez, je vais voir si on peut faire attention. Donc, c'est la même chose qu'on se fait avec nos téléphones portables, les consoles, c'est les mêmes Google Maps. Donc, ici, on vient, on va. Ok, on va mettre une rue comme ça qui pourrait être localisable. Ici, il y a une rue comme ça. Pardon, la rue. Voilà, là par exemple,
si on dit une agence, c'est l'agence, il y a une agence qui est, quand on parle de cette rue-là, vous voyez la rue-là, il y a une agence en fait de ce genre-là. Donc le bonhomme, il est venu directement tomber, parce que c'est la personne qui a donné en fait, donc il est venu tomber directement sur, dans cette agence. Maintenant, après, le bonhomme, lui, comment il procède en fait? C'est-à-dire, quand il doit faire, ça fait deux fois le fait, il revient à sa place. Quand il doit agir, il agit en fait sur des rues qui sont déjà tracées. Voilà, sur des rues qui sont déjà tracées. Quand la rue n'est pas tracée, ça devient un peu compliqué pour le bonhomme de pouvoir agir. Quand il agit sur des rues tracées. Comment retrouver, comment voir si nous sommes passés, on va essayer de voir ça. Vous voyez le plan que ça nous donne du plan. Maintenant, on prend le bonhomme, on le fait circuler un peu. Si tu le prends, tu le déplaces, et que tu viens, tu le déposes ici, et que tu débats, tu te dis que la rue en fait n'est pas passée sur Google Maps. Certes, on voit la rue sur Google Maps, mais Google Maps n'a pas une visibilité sur cette rue. Même pas de route tracée parce que finalement quand la route est tracée ça soit en bleu donc tu peux mettre le bonhomme qui peut se promener. Donc il y a aussi cette technique qui peut vous permettre de retrouver un lieu pour pouvoir monter vérifier peut-être une photo ou une vidéo que vous avez retrouvé sur internet. Donc avant de passer à la présentation des vidéos, je vais poser certaines questions s'il y a des personnes qui seront volontaires à répondre à mes questions. Donc, je dis, pour procéder à la vérification des images, quelles sont les étapes qu'on doit suivre? Qui peut venir répondre? Vous avez bien compris ce que j'ai dit. D'abord, vous citez les outils que j'ai donnés, et puis, vous donnez le process de vérification. Merci. Nous avons 5 outils de vérification, d'autres images pour les vidéos, qui sont Google Images, DeepEye, Yandex, Baidu, Bing. Ok. Pour la procédure, il faut d'abord aller sur le site ou bien l'application sur laquelle on souhaitait faire la recherche. Ensuite, il faut cliquer sur l'appareil qui est dans le feu de recherche. Et il faut ajouter la vidéo ou l'image dans le champ de recherche. La vidéo quand on souhaiterait vérifier ou l'image quand on souhaiterait vérifier. Et après, il faut lancer la recherche pour vérifier notre image ou notre vidéo. D'accord. Donc, on va aller pas à pas. Vous dites, oh, télécharger la vidéo dans votre ordinateur ou téléphone. Maintenant, j'ai oublié de dire aussi. L'esprit qu'on vient d'utiliser, ça suffit. Avec les téléphones et les ordinateurs portables. Par exemple, si on est comme ça, et ils ont développé une application pour ça. Ils ont développé une application qui est téléchargeable sur Play Store ou bien pour comment on appelle, iPhone, comment on appelle App Store. App Store, voilà. Il est téléchargeable sur Play Store et App Store. Donc, eux, pardon Tinaï, sur Play Store, tu verras. C'est bon? Ok, d'accord, ça marche. Donc, si tu as Play Store et App Store, ce que tu veux vraiment utiliser en fait. Maintenant, après, voilà. Par exemple, ici, la ville où la ville s'est passée par rapport à l'influenceuse ougandaise, c'est dans cette ville-là.
On appelle ça Novosibir. C'est en Russie. Donc c'est comme ça qu'on a procédé. Par exemple, vous voyez l'image. Il circule. Tout ça, c'est dans les routes. C'est dans les routes qui vous permettent de circuler en fait dans la ville en question pour essayer de retrouver l'immeuble pour le dire comme c'est réellement passé. Mais après, je suis là, on a un peu de choses parce que fallait sillonner toute la ville. Et il y avait des immeubles qui se ressemblaient, donc il fallait sillonner. Et j'ai dû retrouver exactement l'immeuble. Donc ça nous a pris assez de temps. Donc quand on finit ça, on a aussi la réalisation des tests. Les tests. Souvent, vous recevez des tests qui peuvent vous dire, par exemple, une fois j'ai reçu un test que j'ai pu en fait, qui disait que. Il y a des chrétiens qui étaient massacrés, soit en Afghanistan. Il y avait des chrétiens qui étaient morts, qui étaient massacrés en Afghanistan et tout. En fait, la présentation des tests, c'est assez simple. Quand vous recevez sur le test et que vous n'êtes pas sûr de la source, avec les astuces que le professeur vous a partagées, si vous n'êtes pas sûr de la source, vous copiez seulement un paragraphe du test, quel que soit le paragraphe. Et vous lancez, vous mettez dans le contexte de ce code et vous lancez. Votre recherche. Si le test est un test authentique, ça va vous ramener à un article sur le test, ou bien si c'est un communiqué, ça vous ramène en fait sur le communiqué en question. Donc le test, c'est assez simple, il faut utiliser le moteur de recherche. En fait, on a tendance à utiliser le Google, alors que c'est un puissant moteur de recherche en fait, qui nous permet de vérifier nos informations, tac, 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 tranquille, et on continue. Donc désormais, nous n'utilisons pas Google seulement pour faire. Ou aller faire d'autres, mais on peut faire en plus aussi pour démontrer des informations, des tests, etc. Maintenant, après les images, on va passer à l'étape des vidéos. J'ai fait une vidéo que vous allez voir qui va vous dire en fait, il y a une chose que mon professeur tout à l'heure, je vais vous dire en fait, cette chose. Parce que vous avez vu cette image circuler sur Facebook, c'est que Poutine avait. Pour essayer d'aller en Ukraine, il avait créé un pont avec les chars pour essayer d'aller en Ukraine. Parce que vous avez vu ça passer sur les réseaux sociaux. Voilà. En fait, c'était pour, c'était même pas cette année, la semaine dernière, c'était pas cette année, c'était archi pour eux. Donc, nous on a reçu la vidéo, on a fait le fact-checking, on a vérifié la vidéo. Après, nous on voit la vidéo, puisque c'est en temps de guerre entre la Russie et puis l'Ukraine. Donc, on dit non, c'est vrai, en fait, c'est vrai. Et tout. Alors que c'est faux. En fait, nous, ce qui nous a permis de vérifier la vidéo, on n'a pas utilisé l'outil d'abord. On n'a utilisé aucun outil pour vérifier cette vidéo. Tout à l'heure, mon professeur nous disait que pour vérifier la vidéo, si on n'avait pas de solution avec, on devait procéder comment? À travers un portail sur les indices, voilà. À travers un portail sur les indices. Donc, ce qui nous a permis de faire ici, le début de la vidéo, il y a une inscription qui est mise dessus. Ouais. C'est mis troupes build Putin drive to Moscow across river during NATO drive in Ukraine. Déjà, l'indice, en fait, ce qui est mis sur la vidéo, qu'est-ce qu'il fait? On dit que l'OTAN fait des exercices sur la rivière en Ukraine. Quand même, Ukraine, Ukraine. Même si ce n'est pas riche, mais ce n'est pas le même pays. Ce n'est pas le même pays. Donc, nous, on a procédé par l'application par mobile. Donc, on allait sur tout ça, on allait sur YouTube. Et l'inscription sur la vidéo. Mm-hmm.
les droits des femmes. Donc, comme je disais, on a procédé par mot-clé lorsqu'on faisait la recherche de cette image. On n'a pas utilisé d'abord les outils que je vais vous montrer tout à l'heure. Lorsqu'on va finir avec. Alors, je vais vous montrer comment utiliser ces outils-là. Parce qu'on va finir avec cette vidéo. Je monte un peu de fort. Je vais mettre la vidéo. C'est facile. Voilà. Parce que la petite nous, on avait fait dessus. On va suivre l'origine de la vidéo. Voilà. En réalité, voici la logique de la vidéo sur YouTube. Allez, quand on a posé la recherche, on a pris les mots qui en fait étaient inscrits sur la vidéo. Comme c'était en anglais, je n'ai pas voulu chercher à traduire, je suis allé sur la vidéo directement. Mais voici la vidéo réelle de ce qu'ils ont montré, qui disait que c'était en Ukraine en fait, c'est-à-dire que c'était des Russes qui partaient alors que c'était faux. Voyez ce qu'ils disent ici. Les soldats de l'OTAN construisent un pont flottant en Lituanie pour permettre le passage de temps. Et la date, c'était en juin 2017. En fait, celui qui publie Air Force Military, c'est un peu peut-être la télé de l'armée de l'OTAN. Lorsque l'armée de l'OTAN fait des exercices, eux, ils sont là pour essayer de relayer l'information. Donc, c'est eux qui avaient publié la vidéo. Donc, le mec, en publiant la vidéo, il a juste coupé la partie de la main. Et il a posté la vidéo. Voici la vidéo, la vidéo réelle qui est en haute définition sur YouTube. Donc, je sais que quand vous regardez, vous voyez que c'est la même vidéo. Il n'y a même pas de différence en fait. Donc, comme je dis, souvent, avant d'utiliser les outils, on procède d'abord à la présence des indices qui sont sur la vidéo. Ça peut être une couleur, une inscription, un logo, etc. Et vous procédez par la recherche de ces différents indices. Ça peut être aussi les mots-clés. Les mots-clés qui vont permettre de voir si la vidéo est vraie ou fausse. Après, on a aussi cet outil qui est YouTube Data Viewer. YouTube Data Viewer, voilà. C'est un outil qui a été développé par Amnesty International, pour essayer de lutter contre les fake news. Voilà. Je ne sais pas si vous avez pas vu ça lors de vos recherches. Voilà, YouTube Data Viewer, c'est un outil aussi qui a été développé par Amnesty International, vous permet de procéder à la détection d'une vidéo, mais une vidéo qui a été publiée sur YouTube. C'est un peu ça, lui son hit en fait. Une vidéo qui a été publiée sur YouTube. Donc, souvent, vous pouvez recevoir des vidéos via WhatsApp, donc on n'a pas de lien pour essayer de passer. Lui, c'est lorsque tu as la vidéo, tu vas prendre le lien et tu viens coller. Par exemple, tu prends un lien comme ça, un lien simple sur YouTube. Je copie.
D'accord. Oh. Voyons. Si la vidéo est sur YouTube, ça te fragmente en fait la vidéo en plusieurs sortes d'images. Et là, on revient en fait, comme le professeur avait dit, une vidéo est une succession d'images. Donc, le tout vous permet de fragmenter les images en fait en plusieurs angles. Donc, vous procédez maintenant à la modification pour venir tout cliquer. C'est écrit ici, reverse, image, search. Je vais recherche d'image inversée. Donc, vous cliquez, ainsi de suite. Ça vous donne les résultats que vous voyez. Le premier résultat, c'est ici. Ça vient avec des résultats de Wikipédia. Donc, l'une des zones, c'est ces différentes captures d'écran qui vont te permettre de faire une recherche via Google, Google Images, Signal, Yandex, etc. Mais une chose, c'est que si tu ne maîtrises pas, enfin, si tu reçois la vidéo dans ton WhatsApp, la technique, c'est d'aller publier la vidéo sur ton YouTube et c'est de générer un lien sur ton compte YouTube et puis venir procéder maintenant à la vérification. Parce que c'est pas ce que vous voyez. La plupart de nous, tous ceux qui ont des comptes Gmail, automatiquement, si vous me mettez automatiquement un compte YouTube, c'est à vous de mettre le compte en valeur. Donc, dès que vous avez votre Gmail, ça vous permet d'avoir un compte YouTube. Donc, souvent, il y a des personnes qui veulent utiliser ou pas. Mais moi, dans le cadre de mon travail, j'utilise ça beaucoup parce que ça me permet de générer mes différents liens. Je vous souhaite de procéder à ma vérification lorsque je fais mon travail de vérificateur. Donc, c'est avec ces liens-là que vous venez coller dans YouTube Data Viewer et vous lancez la recherche. Ça vous coupe en fait l'image en plusieurs fragments, à plusieurs capteurs d'écran qui vous permettent de lancer la recherche avec Google Images. Il y a aussi cet outil, il avait parlé aussi InVid, qui est plus complexe. InVid. Lui aussi, c'est un moteur qui a été développé aussi par les Français, c'est l'AFP en fait derrière. Donc, lui, c'est un outil que vous pouvez installer sur votre ordinateur. Malheureusement, on ne trouve pas, maintenant, actuellement, on ne trouve pas l'outil sur les téléphones portables. C'est-à-dire que l'outil est tellement vaste, tellement développé, qu'on ne trouve pas en fait. Donc, c'est sur les ordinateurs qu'on les trouve. Donc, InVid, il est là. Vous avez la vidéo ou le lien, ça dépend. À tout moment, ce sont les deux, vous avez le choix. Si vous avez le lien, vous procédez avec le lien. Si vous avez l'image, vous procédez avec l'image. Maintenant aussi, vous pouvez avoir une vidéo et vous n'avez pas envie de passer par InVid. Si vous avez cette capacité de faire plusieurs parties d'écran, vous faites cette partie d'écran, plusieurs parties d'écran et vous procédez la recherche par image inversée avec les ressources que vous laissez, un à un, etc. Donc ça vous permet de ne pas utiliser. Si vous pensez que l'outil InVid est plus compliqué, parce qu'à un moment donné, ça devient compliqué. Si vous n'êtes pas patient, ça devient compliqué en fait. Donc peut-être si vous voulez, vous prenez la vidéo, vous faites différentes parties d'écran et vous lancez la recherche avec les différents outils comme ça, notamment Google Images, Signal, Yandex, etc. Par exemple, Yandex, c'est un outil qui n'est pas trop fermé parce que c'est un outil russe. Vous avez des russes là, ils n'ont pas de limite. Donc c'est un outil, c'est que Google ferme Yandex tout ça en fait. Donc c'est un outil russe. Vous ne pouvez pas trouver le résultat sur Google Images, mais vous avez tous les résultats sur Yandex. Le résultat que vous ne trouvez pas sur Google Images, ça veut dire que Google Images a peut-être caché en fait ces données. Or, Yandex, tu te donnes le choix de faire tes recherches, parce que c'est russe. C'est même comme Telegram. Comment dire en fait, Telegram est lu par rapport à peut-être WhatsApp. Par exemple, avec Telegram, lorsque j'envoie une vidéo, Telegram ne cache pas les métadonnées. Les métadonnées sont les données qui vous permettent de pouvoir savoir quand la vidéo a été réalisée, par quel appareil surtout, la date, avec le jour, l'heure, tout. Or, avec Google, pardon, WhatsApp, quand quelqu'un t'envoie une vidéo via WhatsApp, c'est pas possible, WhatsApp te cache. Maintenant, après, il y a une autre technique qui vous permet de ne pas cacher ces métadonnées. C'est quoi? C'est que lorsqu'il t'envoie la vidéo, il t'envoie la vidéo via le chemin normal. Il t'envoie la vidéo en tant que document. Ça, c'est pour voir ça n'a pas la possibilité de cacher en fait les métadonnées. Donc, ici, il y a l'outil InVid. On a ouvert le plugin. Comme vous voyez, il y a plusieurs fonctionnalités. Il y a dans les vidéos,
images créées, images trois vidéos, métadonnées, comme je disais, ce sont les métadonnées. Mais ici, on va essayer d'utiliser une des fonctionnalités seulement de la l'utilisation. Ici, on a image créée. Donc, quand vous voyez image créée ici, on a lien et on a fichier. On a lien et on a fichier. Donc, les deux, le lien. Donc, lorsque vous avez une page Facebook et vous voyez la vidéo, vous prenez, vous n'avez pas envie de chercher la vidéo, vous prenez seulement le lien, vous le collez, ça vous fragmente la vidéo. Maintenant, le fichier, c'est lorsque vous avez le fichier dans votre, sur votre ordinateur, ça vous permet de trouver la chose. Donc, on va essayer de vérifier une vidéo, peut-être celle du Mali. Donc, comme j'ai dit, on va aller pas à pas. Lorsque vous installez, comme pour rappel, l'outil Invite, on trouve ça sur Google. Vous tapez télécharger Invite. Pour ceux qui ont envie de télécharger Invite, on vous vient, vous téléchargez. Ça vous sort en extension en fait sur votre Google Chrome. Voilà. Donc, quand vous ouvrez le plugin, il y a plusieurs fonctionnalités. Il y a analyse vidéo, image clé, image tête, trois vidéos, métadonnées. Donc, vous pouvez venir sur image clé, vous avez le fichier là. Vous avez le fichier, par exemple, prendre cette vidéo, je lance la recherche. Ici, je viens, ça fait. Alors, comme je l'ai dit là, quand vous êtes là, patient, quand vous essayez de vivre une vidéo, vous n'allez pas trouver le résultat parce que souvent il y a la connexion qui fait du fait qu'il faut, quand la vidéo est trop, la vidéo pèse trop, il y a ça. Il y a plusieurs trucs dans la ligne de compte. Donc, si vous n'êtes pas patient, quand vous déconnez, par exemple, j'ai lancé cette vidéo, elle ne pèse même pas. On met 100% upload, mais je n'ai pas encore les captures d'écran. Normalement, l'outil devrait te permettre de fragmenter la vidéo en plusieurs images. En plus de capture d'écran. Donc, vous allez faire votre recherche procédée par capture d'écran, par recherche de l'image inversée dans l'outil. Bon, on attend toujours que la solution vous permette de fragmenter la vidéo. Mais pour les personnes, je veux dire, pour les personnes lambda, non, qui ne veulent pas faire du capture, je sais qu'il y a des journalistes ici, eux, par exemple, les personnes lambda qui ne veulent pas faire du capture. Je pense que pour essayer de vérifier un test, une vidéo, une image, vous pouvez procéder avec un système basique qu'on vient de donner, notamment la barre de recherche Google avec les tests qui vous permet de copier-coller un paragraphe de votre test, mettre dans le moteur de recherche lancé. Lorsque vous avez, s'il y a un article qui a été fait sur le site, ça vous permet de retrouver la source. Ou bien utiliser Google Images, ce qui est aussi facile. Utiliser Tinaï qui est aussi facile. Pour des personnes lambda qui jouent des citoyens, qui veulent peut-être vérifier des trucs vite, voilà. Je pense que ces outils peuvent vous aider. Mais par contre, des personnes qui veulent réellement exercer le tactique, qui veulent une vérification des faits, c'est notre point du journaliste. Voilà. Eux, ça avec des conditions plus poussées, ils pourront réussir à faire ces démonstrations. Bon, je m'attends toujours aussi. La connexion accepte de fragmenter la vidéo. Mais en gros, c'est un peu ça, c'est l'outil qu'on utilise. On met les outils basiques de vérification. Quand on dit outils basiques de vérification, en journaliste, on sait déjà que pour publier une information, il faut vérifier la source. Il faut avoir une ou deux sources pour essayer de publier son information. Voilà, on sait déjà ça. Mais après, il y a aussi le point de la manipulation. C'est là quand on utilise ces outils. Vous essayez de vérifier. Moi par exemple, j'ai fait des articles où je n'ai même pas eu besoin d'utiliser ces outils. Il y a un article que j'ai fait sur Olivier Yassé comme ça, où on disait qu'elle avait dit que le président après son démission là. Voilà. Là, j'ai pas eu besoin de ces outils parce qu'il n'y avait pas de traces numériques et tout. Mais par contre, j'ai pu trouver la vidéo de son interview. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, j'ai pu chercher à entrer en contact avec son staff qui ont dimanché l'information. Et puis aussi la page qui avait publié et l'autre, quand je m'en disais, puis j'avais et l'autre, je lui ai demandé, il a dit que non, c'était pour améliorer la galerie, sinon elle n'avait pas dit ça. Voilà. Donc, en attendant que la vidéo arrive à se pratiquer, si vous avez des questions, je suis ouvert pour répondre à vos questions. Merci.
micro est ouvert pour les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour une fois, aussi. Puis souvent aussi, on a des informations qu'on reçoit via inbox. Ils nous parlent de souvent des bourses au Canada, des trucs comme ça. Ce sont des informations que vous devez vraiment faire attention à ce genre de contenu. Parce que nous, on appelle ça du fait du. En particulier, on appelle ça du phishing en fait. Du phishing, ça s'appelle de la missionnage. C'est-à-dire, ces personnes, par exemple, on vous balance un lien qui dit que. Telle entreprise en promo, pour que ce lien, non, à éviter. Parce que lorsque vous cliquez sur le lien, ça vous expose en fait. Ça expose vos données personnelles que vous avez dans vos ordinateurs et vos téléphones. Et ça, les hackers sont très polyvalents. Lorsque vous cliquez sur le lien, il te met le virus en même temps. Ok. Il a accès à toutes les données. L'astuce que je vais vous donner, quand vous recevez ce genre de lien, c'est de regarder en fait les liens. Par exemple, je vais sur Google. Je n'ai pas besoin d'Abidjan.net. Voilà. Quand vous regardez Abidjan.net, vous voyez le type de lien. On voit HTTPS. N'est-ce pas? Alors que généralement, c'est bien là, le S n'existe pas. Faites ta remarque. Généralement, c'est bien là, le S n'existe pas. Donc, c'est un indice qui vous permet de dire que non, ce lien n'est pas un bon lien, évitez de cliquer sur ce lien. On a aussi des outils qui peuvent vous permettre de vérifier un site internet. C'est-à-dire connaître le site qui est hébergé ou tout. C'est ce outil-là. On appelle ça. Voilà. Pour domaine.com. C'est un site qui vous permet de retracer en fait le parcours d'un site en ligne. Par exemple, j'avais mis Abidjan.net. On va prendre le lien de Abidjan.net pour essayer de voir les informations de Abidjan.net. Donc, faites vraiment attention à ce genre de lien que vous trouvez souvent. Lorsque je copie le lien, la bien point devient du col. Je lance la recherche. J'ai un ami qui travaille à MTN qui avait. Il y a une personne qui circulait sur MTN sur un site. Voilà. Donc il m'a dit que le truc était faux. Il y a une information que je leur donnais, c'était faux en fait. Il a dit, ah, c'est faux. Mais quel est le site avec ce lien en fait? Il m'a envoyé le site. Donc, ok, j'ai vu le site, je suis allé sur www.domaine.com. J'ai tapé, j'ai vu le site. Ça m'a ramené en fait, ça m'a donné le numéro de l'hébergeur du site. Le numéro du nouveau ici. Où le site est hébergé. Elle est vraiment sur le site. Donc, je lui ai fait la partie, je lui ai envoyé une fois. Pour le dire, ça tombe même là-bas. Donc, il a appelé les gars, dans les temps. Par exemple, quand je tape à bien point sur l'outil en question, voici toutes les informations sur le site. Abidjan.net, le site du site, tout ce que vous voulez comme information, même le pouce où le site est enregistré, par exemple, recent nombre où le site est enregistré, le mail de celui qui a fait le site. En fait, toutes les informations que vous voulez sur le site Abidjan.net en question, même la date de création. Ici, on vous dit que ça a été créé en 98. Ça a été créé en 98, mais ça a été créé en 98. Donc, toutes les informations que vous voulez sur le site, cet outil-là vous permet de faire. Donc, les liens que vous recevez via WhatsApp, ce outil-là peut vous permettre d'avoir une certaine information sur ce site-là. Mais quand vous mettez le lien dans ce logiciel-là et que vous n'avez pas de résultat, faites réellement attention à ce genre de lien. Bon, juste à vous dire, le truc-là, souvent, quand ça présente, c'est que c'est. Un souci de connexion publique qui le fait. Mais déjà, comme je l'ai dit, lorsque vous pensez que vérifier la vidéo avec ce
parce que ceci ne marche pas en fait avec les téléphones portables. Ça marche avec les ordinateurs. C'est pas le procès à dire ici. Pour la vérification des vidéos, c'est plus complexe. Et c'est effectivement plus complexe. Parce qu'il y a trop de travaux qu'on fait derrière pour essayer de tracer l'origine d'une vidéo. Donc l'idée est simple. C'est de faire les captures d'écran de la vidéo et vous utilisez ces différents outils pour demander à la source de votre vidéo ou de votre image. Voilà. Donc s'il y a encore des questions, moi je peux bien. Merci. Moi, je voulais m'assurer que sur le côté du test. Dans les tests dont on nous envoie, vous avez dit de copier juste le paragraphe et puis faire sur Google. Moi, je ne sais pas quand on veut l'origine du test qui vient ou bien. Non, en fait, comme j'ai dit, quand vous recevez le test et que vous faites un copier-coller, si par exemple, forcément, il y a des mots-clés qui sont dans le test. Il y a des mots qui sont dans le test qui permettent de comprendre en fait le test. Si l'information qui te donne le test est une bonne information, tu vas forcément retrouver des articles qui parlent de la même information. Donc ça pourra te permettre de valider l'information ou pas. Ou bien soit, par exemple, il parlait tout à l'heure d'un travail qu'on avait fait, mon professeur lorsqu'il faisait son cours, sur une vidéo au Mali et tout. Donc, nous, par exemple, on a procédé par recherche avec des tests. Le test qui accompagnait la vidéo en question, on a collé et ça nous a ressorti en fait le comité officiel de l'armée malienne. Le comité officiel de l'armée malienne. Pourquoi? Ça a été possible à cause des mots-clés en fait qui étaient dans le test. Donc, à l'aide des mots-clés que tu auras dans ton paragraphe en question, ça va te ramener à des articles ou bien des comités et tout, qui parlent de la même information. Donc, en lisant ces informations, ça va te permettre de savoir si le test que tu as reçu via WhatsApp est fait ou c'est faux. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il y a une autre question. Donc, on va. Bon, c'est toujours la même chose avec la connexion. Sinon, comme j'ai dit, l'outil vous permet de fragmenter la vidéo en plusieurs parties d'écran. Donc, vous procédez encore la présentation par image inversée. Maintenant, si vous considérez que c'est trop compliqué avec l'outil, c'est simple, vous procédez par image par partie d'écran de votre vidéo et vous utilisez les outils dont on a parlé tout à l'heure avec le même process. Vous avez l'outil dans les images dans votre téléphone et vous lancez la recherche. Voilà. Parce qu'on va s'arrêter là, je pense que c'est tout le moment. Après, s'il y a des questions encore, je suis pour une heure. Quand il y a des questions. Merci beaucoup pour ce brillant exposé. Voilà, moi je veux sortir un peu, je veux demander pour les personnes, parce qu'on entend souvent que les personnes, les fact-checkers, les journalistes fact-checkers sont. Souvent des connivences sont plus proches d'un bord et pas de l'autre. Dans ce cas-là, ils vérifient plus les informations concernant l'autre bord qui n'est pas de leur, au détriment de l'autre. Si je prends par exemple le cas de la guerre en Ukraine, quand tu vas sur le site de l'AFP, actuel, toutes les informations qui seront vérifiées seront les informations qui viennent de la Russie. Voilà, donc on verra très rarement les informations provenant de l'Ukraine qui seront vérifiées. Donc dans ce cas-là, je ne sais pas, je vais demander quelle est vraiment la pertinence, l'objectivité dans ce cas-là. Merci. Ok, c'est une très bonne question. En fait, la pertinence, l'objectivité dans ce cas, ça va dépendre de quel type d'information je vais donner à tête. Par exemple, on prend le cas des déclarations. Un journaliste fait une déclaration qui va sur un seul bord, il fournit ses éléments. Alors que si tu dois, comment on appelle, vérifier une vidéo, les éléments qu'il trouve dans ta vidéo là, il n'y a pas une histoire de bord dans ça. C'est pourquoi lorsque un site de fact-checking est mis en place et que vous voulez avoir l'accréditation de l'IRCM, on vous demande en fait la provenance
de vos ressources. Dès que l'IFCM sait que la preuve de vos ressources, vous êtes endossé peut-être à un bord, à un parti politique et tout, vous n'avez pas la licence. Donc, je veux dire que, bon, par exemple, si on prend le cas de l'AFP, bon, l'AFP, c'est l'AFP, hein. On sait, on connaît déjà comment ils font leur processus et tout, on sait quel bord déjà ils défendent. Donc, eux, ils sont dans la logique. Le constat que vous avez fait, c'est aussi le constat que moi j'ai fait. J'ai une fois eu à débattre, mais on m'a dit c'est l'AFP. Non, non, c'est pas parce que c'est l'AFP qu'on ne peut pas les critiquer. Non, ils font des articles, ils font souvent des articles. C'est rare ici même que de voir des articles, peut-être qu'ils parlent qui vérifient des informations pour peut-être la Russie. Alors qu'il y a beaucoup de fake news aussi qui viennent du côté de l'Ukraine. Donc là, c'est pas une question de médias et plus de leur ligne éditoriale. Voilà. Maintenant, ce qu'on va peut-être chercher à connaître, c'est est-ce que l'information qu'ils vérifient aussi, est-ce que les éléments qu'ils donnent sont crédibles ou pas? Voilà. Si c'est pas crédible, là, ça devient un autre cas. Mais bon, si les éléments qu'ils donnent sont crédibles, je pense que ça dépend de leur ligne éditoriale. Si, dans le cas leur média n'est pas endossé, peut-être, à un parti politique et tout, voilà. Ça, c'est la ligne éditoriale de leur média. Voilà. Je pense que pour en tant que franchise, c'est est-ce que les informations que l'AFP donne sont fausses ou sont vraies ou ne sont pas vraies? Est-ce que les éléments qu'ils donnent, les preuves qu'ils donnent dans leur papier sont vraies ou fausses? Je pense que c'est un peu ça. Maintenant, le lettre de l'Ukraine et consort, je pense que ça y va de leur ligne éditoriale. Mais ce qu'on a retenu, c'est qu'un journaliste particulier doit être neutre. Voilà, il ne doit pas avoir de temps, il doit être neutre pour être à l'aise lorsqu'il fait ses papiers de parti. Je pense que j'ai bien répondu à votre question. S'il y a une autre question aussi, je pense que on va prendre. Non, il n'y a pas les cadeaux. Hein? Vous avez bien compris? Ok? D'accord? Donc si vous avez bien compris, je pense que bon, on va. Voilà. Donc, c'était un peu ma connaissance que je voulais vous partager dans la présentation des vidéos et des images. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, je pense que on va arrêter là. J'espère que vous avez retenu ce que j'ai dit et que désormais, vous pourriez vérifier des images et des vidéos vous-même si peut-être il y a le besoin en fait. Donc, merci beaucoup. Merci à M. Kili Mamadi pour cette information très enrichissante. Je rappelle qu'il est journaliste fact-checker, membre du bureau exécutif du réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. Alors là maintenant, je m'adresse à vous, chers participants. Déjà, je tiens à vous remercier d'avoir patienté jusqu'à maintenant. Et aussi, voilà, nous ne sommes pas très loin de la fin. Alors, je tiens à préciser une information très importante. Sachez que vous serez ultérieurement contacté par notre équipe afin de recevoir votre diplôme de participation à cette formation sur les techniques de vérification des formations avant leur diffusion sur les réseaux sociaux. Voilà, nous préparons également les équipes techniques afin de vous faire voir les différentes vidéos des spots publicitaires, relatifs à la SMC. Voilà, l'équipe papier. Alors, il y avait une liste qui vous passait. Si vous n'avez pas encore marqué votre nom, n'hésitez pas à le faire. C'est avec ça qu'on préparera les différents diplômes. Merci beaucoup.